Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tant que c'est frais, je voulais tourner la vidéo et comme vous pouvez le voir, je vous tourne un haul de mes achats du week-end avec ma cousine. J'ai sorti un vlog dimanche, au moment où je sors cette vidéo, on est mercredi. J'ai voulu faire un haul parce que je me suis dit qu'il y avait des trucs intéressants et puis vu que j'ai acheté pas mal de trucs au point de me ruiner, je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant les hauls. Et puis la dernière fois j'avais fait un haul de la Japan Expo, ça vous avait plu donc... Donc voilà, on a mon appartement, donc là j'ai ma petite commode que je voudrais aménager pour faire des fonds de vidéo par la suite. Donc on verra comment je m'organise tout ceci. Donc j'ai mon gros sac, je vous montre. Voilà, j'ai un gros sac d'achat parce que franchement je me suis bien fait plaisir après ces fêtes de Noël. Parce que pour ceux qui le savent, pour les fêtes de Noël j'ai pas vraiment eu grand chose. Les seuls trucs que j'ai eu en fait, c'est des trucs que ma mère n'avait pas payé. J'ai un truc dans les cheveux. N'avait pas payé ou qu'ils avaient gagné. Donc en fait voilà, ce que j'ai demandé je ne l'ai pas eu. Enfin juste une chose qui est ma Tassimo. Donc je me fais des chocolats, des cappuccinos. C'est trop trop bien. Non voilà, je me suis lâchée. J'ai acheté des trucs en bouffe mais je vais pas vous les montrer parce que ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Donc voilà. Alors en magasin, on a fait un magasin donc de parfumerie. Non mais j'ai vraiment plein de trucs dans les cheveux. Parfumerie, je vais donner les noms. On a fait Primark pour ceux qui connaissent. Boulanger parce que j'avais un achat à faire là-bas. Un truc s'appelle Adopte, donc le truc de parfumerie. Et puis on a fait un magasin d'alimentation parce que j'avais besoin d'acheter des ampoules pour mon appartement, enfin mon ancien que je rends, que j'ai déjà rendu quand je sors la vidéo en fait. Donc il me fallait des ampoules pour ma hotte parce que bien sûr avec ma chance, les ampoules de la hotte ont grillé et il faut les changer bien évidemment. Donc voilà, je me suis acheté des ampoules, le premier achat, voilà. Aussi je vais peut-être vous montrer les achats en bouffe que j'ai fait parce que c'est des trucs que j'ai pris parce que ça sortait du commun et c'était nouveau donc j'avais envie de goûter. Donc pour le premier achat chez Primark ou Primark, je sais pas comment vous le prononcez, je me suis acheté un pantalon basique avec... les bouts fins, enfin voilà, donc, un pantalon basique, voilà, une couleur gris un peu, je sais pas comment on pourrait appeler le style un peu usé, je sais pas, mais voilà, ma cousine elle prend cela et j'ai besoin de pantalons, non, j'ai des pantalons, mais je me suis dit allez tante, parce que tous les pantalons t'as en fait, vu que je suis grande, et déjà ils me collent pas au bout de la cheville, déjà. Donc je suis obligée de les retourner pour que ça fasse un peu potable. Et il m'arrive au niveau au-dessus de la cheville parce que vu que je suis grande, voilà. Toujours chez Primark, j'avais envie de me racheter des petites chaussures hivernales. Donc je me suis pris des bottes en moumoute. Voilà, donc, elles sont toutes fourrées à l'intérieur, de l'orteil jusqu'à la cheville et tout. Donc j'avais vraiment envie de les acheter, donc je les ai pris. Et puis Primark, 6€, ça fera le temps que ça fera. Et même si je dois en remettre dans 2 mois, 6€, pour le prix, franchement, c'est super, super bien. Et franchement, elles me durent quand même. La dernière paire que j'ai achetée, je les ai achetées, je sais plus si c'était en novembre. Elles sont toujours ok, quoi. Je décolle un peu au niveau des semelles, mais je prends pas l'eau, enfin elles me vont encore super bien. Un truc utile, et bien sûr je me suis rendu compte en rentrant de course que j'avais oublié d'acheter ce qui va avec, je me suis acheté des cotons démaquillants, et bien sûr j'ai oublié d'acheter le démaquillant. Donc je suis bonne pour aller demain en course acheter du démaquillant parce que j'ai oublié, j'en ai presque plus. J'ai un autre truc de chez Primark, mais étant donné que c'est tout au fond, je vous montrerai après. Là, donc ça c'est chez Adopte. Donc ça c'est un petit magasin de parfumerie, de maquillage, soins du cœur, tout ça, tout ça. Et je me suis acheté du parfum. Les parfums sont super beaux et je les trouvais pas super chers parce qu'ils étaient à 7,95€ le flacon. Alors ça sent trop bon. Et moi j'adore vraiment le design des petits flacons. Donc j'ai pris des petits flacons comme ça de 30ml. Parce que de toute façon c'était pas cher et voilà, si je vais y retourner dans 2 mois, et voilà, parce que je n'avais pas de parfum et j'ai pas eu de parfum à Noël alors que j'en ai besoin. Voilà, donc en parfum j'ai pris fleur de coton, si tu veux bien faire la mise au point, voilà, fleur de coton. J'ai pris Cubana, ça doit être un odeur mangue, attendez quand ça fera la mise au point, voilà, je vais vous dire ça. Je sais même plus si c'est marqué. Parce que c'est marqué dans les détails dans la boutique, mais c'est même pas marqué là. C'est une odeur fruitée en fait. Mangue, un truc dans ce style. Là, vous y avez Yumi Candy. Là, franchement, la petite fiole, elle est super belle. Voilà, j'en ai eu pour 19€ les 3 flacons. Donc moi, je dis que c'est largement bien pour... En plus, ils sentent trop bon.
Et voilà, pour la dose qu'on a. C'était un peu de bruit, je dirais. Donc voilà, Adopt, super, c'est super bien. Il y avait plein de choix et voilà, ça sent plus. Mais il y en a un, c'était un truc genre Charlotte aux fraises et tout. J'ai franchement regretté de ne pas l'avoir acheté, donc quand j'y retourne, je le prends, ça c'est sûr. Après, parce que bien évidemment, je l'avais commandé à Noël, mais je ne l'ai pas eu. Je me dis, bordel, ça coûte 15 balles, 15 euros. Et je l'ai pas eu, je me dis, j'ai franchement une famille de radins. Ce bouquin, obligée, il fallait que je l'achète. Parce que Roxane avait fait une vidéo en plus dessus où elle mangeait que des pâtisseries ou je sais plus quoi pendant 24 heures et elle prenait que des recettes de son bouquin. Et franchement, les recettes, j'ai ouvert le livre, j'ai regardé les recettes. Et franchement, je suis super contente. Le bouquin est de super bonne qualité. Il y a un paquet de recettes. Et franchement, vous pouvez être sûr que je vais toutes les faire. Et je vais en faire en vidéo sur la chaîne. Ça, c'est clair et net. Déjà, je vais ouvrir un truc au pif. Oh non, bah ça, non, mais ça. Ça, c'est peut-être pas. Mais là, vous avez des flans zébrés. Vous avez des madeleines à la fraise. Des verrines. De la tarte citron meringuée, enfin bon, j'ai déjà fait des verrines citron meringuée, donc en soit la base, je sais la faire. Des pancakes fluffy, ça j'ai décidé de la faire en vidéo sur la chaîne, enfin il y a plein de trucs. Et clairement, moi je vais me régaler avec ce bouquin. Et non, bon, franchement, j'avais commandé par le Papa Noël, enfin pour Papa Noël, mais j'ai pas dû être assez sage. Et je l'ai pas eu, donc voilà, je me le suis acheté et je l'ai aussi offert à ma cousine pour son anniversaire. Voilà, donc je le voulais vraiment. Et 14,90€, franchement, il est vraiment pas cher. Et voilà, donc moi je suis trop contente, j'ai acheté mon petit livre de Roxane, voilà, il est là. J'ai pris Marc, alors moi j'ai les cheveux super fins, qui s'en mêlent très vite, et j'ai beaucoup de, enfin beaucoup de bouches d'oreilles. Je suis chiante parce que le toc, je le supporte pas, voilà, donc moi il faut que des boucles d'oreilles en argent, bon je mets quand même du toc, mais je les garde une journée, je les enlève et tout. Et les seules boucles d'oreilles que j'ai en fait, c'est des boucles d'oreilles, soit des grosses où les cheveux s'en mettent dedans, soit des longues. Et les longues, pour mon métier dans la santé, c'est pas forcément le plus idéal au monde. Du coup, je me suis acheté des boucles d'oreilles chez Primark, toujours. Vous avez pris 3€ et j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 paires de boucles d'oreilles. Et franchement, je les trouve super jolies. Franchement, je les trouve vraiment jolies. Il y a des petits papillons, des petits diamants comme ça, des petites boules comme ça. Et moi, des fois, pour dormir, c'est pas plus mal que je puisse les laisser parce que moi je les oublie et j'ai toujours peur que mon trou se rebouche en fait et voilà, les petites, je me dis que c'est bien, donc voilà, j'avais envie de me faire plaisir, 3€, il y en a quand même 12 paires, donc ça c'est cool, enfin franchement elles sont super jolies, voilà. Alors après on va rester dans la gourmandise et ça c'est chez Primark. Alors ça c'est plutôt un délire avec une collègue, mais c'est trop bon. En fait c'était des bonbons qu'elle a ramenés d'Italie et ils sont super bons. Puis enfin, chez Primark ils en ont, bon, ils sont un peu plus, on va dire qu'en Italie c'est menthe fraîche eucalyptus et là c'est menthe forte. Voilà, ça s'appelle des polos, ça coûte 1,50€ les rouleaux de bonbons. En fait c'est un peu style des Vichy, c'est à la menthe et c'est super bon. Donc ça c'est les deux paquets pour ma collègue et moi je me suis dit allez, on va remettre un petit paquet dans le bureau au boulot. Voilà, donc ça, je vais mettre de côté pour lui emmener demain. Et voilà, mon petit paquet. Donc des polos, ça s'appelle des polos. C'est des petits bonbons à la menthe fraîche en forme de rond. Je suis allée chez Sephora. Parce que moi, dans mon équipement de make-up un peu minime, j'ai du rouge à lèvres rouge, du rouge à lèvres violet, du rouge à lèvres marron foncé, je crois. Mais j'avais pas de couleur un peu passe-partout que je peux mettre en vidéo quand je suis maquillée, pas comme là. Et j'avais envie de m'acheter un petit rouge à lèvres un peu dans la tendance peau, couleur peau. Donc je me suis pris cette couleur là. J'aime bien pas ce truc. Voilà. Donc je me suis pris un peu un teint mat clair. Je me dis on va tester, voir. Ma cousine a testé et je me suis dit je vais peut-être pas trop aimer sur moi. Ça fait comme si j'avais plus de lèvres. Donc on tentera dans les vidéos pour que je sois un minimum make-upée. Et prochaine étape, c'est l'eyeliner. Donc je vais m'entraîner à mettre des petits traits d'eyeliner, tout ça. Enfin bref, j'aimerais vraiment être un peu plus potable sur les vidéos parce que voilà, là j'ai rien. Même moi, je m'aime plus comme ça. Donc voilà. Après, attendez, que je dois faire prendre sa forme. Ah mais ça, j'étais obligée. Voilà, j'étais obligée parce que... Parce que c'est moi, si je ne prends pas ça, voilà. Donc je me suis racheté, attends, un sac à main, voilà. Parce que, bah voilà, je suis une mère sac à main, et bah nouvelle année, j'avais envie de changer de sac à main.
Donc je me suis pris un petit sac à main chez Primark, toujours. Donc le voici, le voilà. Tout simple, à l'intérieur, c'est tout simple. Hein. Je vais vous montrer. Il y a juste une petite poche au milieu, j'aime pas du tout, mais voilà. Mais sinon, voilà, c'est un sac tout simple. Hein. Il n'y a pas plusieurs compartiments. C'est vraiment un sac à main, un sac basique. Donc ça me convient très bien. Donc je vais l'emmener demain au boulot. Je suis dégoûtée parce que mon objectif principal, c'était de trouver un blouson parce que je me trimballe avec une polaire. J'ai chaud hein, dans ma polaire, mais ouais, pour sortir, c'est pas exceptionnel, mais il n'y a rien. Enfin, c'est désolé les trucs en... T'as l'impression que c'est type kawaii, c'est une matière que j'aime pas. Ou alors t'avais l'impression d'avoir un mouton sur le dos. Bon, il y avait des trucs, j'aimais bien, il y avait un truc style moumoute que j'aimais beaucoup. Mais c'était genre vert kaki, jaune passé, enfin j'aimais pas trop les couleurs. Donc tant pis, je n'ai pas trouvé, j'étais un petit peu dégoûtée. Ah, je me suis acheté ça aussi, une multiprise. Oui, j'ai vraiment acheté tout. J'ai acheté une multiprise parce que dans une vidéo que je vais faire, je vous spoil un peu, c'est la vidéo où j'achète des trucs sur Wish. J'ai acheté des petites décorations pour faire, voilà, pour les vidéos comme ça que je vais faire à l'appartement. Donc ça va un peu bouger là, parce que voilà, j'ai rien encore, donc j'ai rien mis. Et ben, y a des trucs lumineux et je me suis dit avec ça, ce sera mieux. Il faudra que je m'en rachète une parce que pour l'ordinateur, pour tout ça, donc une multiprise, une triplette. Là, ça va bien, le nom triplette pour la chaîne. On va passer à la bouffe avant de passer au gros du gros parce que j'ai fait un très gros achat pour la chaîne, donc voilà, ce sera mis de côté. Donc là après, avec ma cousine, on a été acheter, bah, il me fallait acheter des ampoules comme je l'ai dit pour mon appartement, donc on a été faire les magasins centre commercial basique, une bouteille d'eau. Non mais alors là je vous explique, je passe en caisse, donc j'ai acheté des cochonneries et il y avait une petite mamie avant moi, puis elle me fait oh ça c'est pas bon, faut manger des fruits et légumes. Puis moi je lui fais bah, j'en ai des fruits et légumes à la maison, il n'y a pas de souci. Et là elle fait tomber sa bouteille d'eau, puis je la regarde en rigolant, je fais ça c'est parce que vous m'avez embêté. Alors elle a souri et tout, elle est partie. Et là elle revient, elle me donne sa bouteille d'eau, elle fait oh, bah tenez je vous la donne, moi j'ai dessus trop chargé, je pourrais pas tout prendre. Puis moi je la regarde, je suis vous êtes sûr, vous voulez pas que je vous aide, parce que moi ça m'a fait mal, enfin moi j'aime pas, j'ai l'impression de profiter et j'aime pas du tout. Je fais, vous êtes sûr, je peux vous aider. Elle fait, non, non, de toute façon, je peux pas la prendre, je suis trop chargée. Bah, j'ai gagné un litre et demi d'eau. Voilà. Donc, merci à cette petite grand-mère, c'est vraiment très gentil de sa part. Voilà, buvez de l'eau, c'est très important, l'eau pour la santé. Et voilà, j'étais déjà bien chargée, alors un litre et demi d'eau, m'en parlez pas. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté des cochonneries, donc j'ai déjà dévoré le paquet, hein. Je vous le dis tout de suite. C'était beaucoup trop bon. J'ai trouvé ça et je fais, non. C'est pas trop cher, des Skittles Chewies. Donc j'ai voulu tester. En fait c'est des Skittles basiques mais sans le truc dur autour. Et donc voilà, donc j'ai testé et franchement c'est une tuerie, j'en rachèterai. Clairement je rachèterai. Donc ça je vais remettre à la poubelle, voilà, parce que je voulais vous montrer. Après un nouveau truc aussi que je voulais tester. Je suis pas très fan des M&M's classiques, moi je mange que les M&M's crispy et j'ai voulu tester cela. J'ai encore pas ouvert le paquet donc je peux pas du tout vous dire si c'est bon ou pas. Donc je testerai les M&M's, si vous en avez déjà vu et que vous en avez déjà goûté, au caramel salé, salé et caramel, donc caramel au beurre salé j'imagine, bah dites moi en commentaire si vous avez goûté. Donc moi je pense que d'ici que la vidéo sortira je l'aurai déjà goûté, mais voilà. J'ai acheté les Mentos parce que les Mentos c'est trop bon, à faire passer dans le sac, voilà à 10h quand vous avez le ventre qui commence à gargouiller, ça passe bien. J'ai acheté ça parce que je voulais du chocolat, les Malteser Gold. Et ça, alors ça avec ma cousine, c'est notre petit péché mignon. Ce sont des craquis au fromage de chèvre. Les gars, c'est une tuerie. Si vous ne connaissez pas, allez goûter. Mmh. C'est trop bon. Ok, donc le gros du gros, pour ceux qui savent, et pour ceux qui ont vu ma vidéo qui est sortie le 27 décembre, je crois, j'ai annoncé comme quoi je réduirai les streams sur la chaîne, c'est-à-dire que les streams se feront que les week-ends, quand je rentrerai chez mon père, donc ce qui signifie plus d'ordinateur à l'appartement. Et pour ceux qui savent, mon ordinateur portable est un peu mort. Donc, je m'en suis racheté un. Et j'en avais marre parce que je me suis acheté un Toshiba, l'écran, la carte graphique m'a planté alors que j'avais rien fait. J'avais le truc depuis un mois, il merdait. Donc étant donné qu'il n'était plus sous garantie, j'en avais pour plus de 500 € de remplacer.
Donc, bah non, j'ai acheté un nouvel ordinateur portable, ce qui est logique. Donc, j'ai acheté un Asus qui, au bout de 3 mois, non, pas 3 mois, au bout de 2 ans, étant donné que j'ai fait du gaming dessus, bah ça l'a bousillé un peu parce que c'était pas fait pour. Donc, du coup, je m'en suis racheté un, mais un vraiment pour le montage, enfin, de temps en temps, pour le montage, pour bien évidemment des soirées chill à mon appartement, pour regarder Harry Potter, pour regarder Netflix. Et pourquoi pas, si c'est possible, faire des petits lives comme ça, blabla, avec vous. Mais juste du blabla, pas faire de gaming avec. Voilà, maintenant je suis pauvre. Je suis ruinée. Et puis voilà, je me suis acheté la housse qui va avec. Mais voilà, j'avais vraiment besoin d'un outil de travail potable. J'espère que Apple, c'est quand même potable pour ça, qui me fera plus que 2 ans, hein. Donc voilà, ce qui signifie que pour la fin du mois, il n'y aura pas d'autres projets sur la chaîne, étant donné que j'ai plus de sous, dans le sens où j'ai voulu me faire plaisir pour cette année 2020 et que j'ai fait 3 gros achats. Donc cette vidéo là qui sort, j'ai fait un autre achat avec Wish, comme je vous ai dit, qui sortira au mois de février parce que les frais d'envoi le délai d'envoi de Wish est super long. Et après, les petites vidéos que j'ai comme projet. Alors pour ceux qui regarderont jusqu'au bout, ils sauront, j'ai des projets de 24 heures, genre je mange que du rouge. Donc ça va un peu en même temps se mettre dans mon alimentation, étant donné que dans les projets de manger que du rouge ou des trucs comme ça, ça va être des légumes. Donc comme ça, je vais pouvoir instaurer dans mon alimentation des fruits et légumes que j'ai comme projet. Maintenant que j'ai un four, je peux cuisiner comme il se doit, donc je n'ai plus d'excuses. Donc voilà, je vous ai un peu spoil les projets de la chaîne, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que de faire un peu plus de lifestyle sur la chaîne, ça vous plaît. Il y a toujours autant de gaming, hein, franchement, mais bon, je sais que ça vous plaît, moi. Il y a toujours des lives, après, ça se trouve en février, je vais reprendre le rythme des lives comme avant, je ne sais pas. Donc on verra, le temps un peu d'encore aménager mon chez moi. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez que je fasse un room tour de mon nouvel appartement quand il sera aménagé, hein, parce que là, j'ai encore rien d'aménagé, j'ai des cartons encore partout parce que j'ai pas de meubles, il n'y a pas de meubles dans cet appartement, donc faut que j'achète tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez plus des vidéos comme ça. Un petit pouce, ça me fera super plaisir, bien évidemment, à partager la vidéo aussi. J'aimerais bien des nouvelles personnes sur la chaîne, des personnes qui commencent, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Rejoignez le Discord si vous voulez blablater, bien évidemment. Et sur ce, moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.